Petra Parigi. Bon, vous tombez un peu en panne, je vais vous aider. Je sais que vos connaissances en anglais sont aussi limitées que les miennes en français. Alors, si vous voulez bien, j'ai préparé quelques petites questions pour lesquelles, d'ailleurs, il n'y aura pratiquement pas besoin de traduction. Nos amis téléspectateurs vont comprendre tout de suite. Tout d'abord, les présentations. First, I present you. I'm Bjorn. And I'm Agneta. Agneta. Frida. And I'm Benny. On pourrait peut-être d'ailleurs demander à notre preneur de son, puisque nous sommes en direct, de sonoriser votre micro parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Bon, alors, qui est le porte-parole des quatre? Who speaks for you? Tous les quatre. Tous les quatre? Tous les quatre, oui. Très bien. Qui tient les finances? Who keeps the money? Nobody keeps the money. Ah oui, je crois que c'est un manager qui s'occupe de... Oui, nous-mêmes, avec l'aide de notre manager. Notre manager, oui. J'espère Stig que le Anderson, manager n'est pas comme monsieur, un certain Johnny Stark en France que nous aimons tous bien, qui s'est appelé monsieur number one in the world au point de vue manager, et dont la devise est 10% et 30% pour moi. Et tous pour... Voilà, alors il n'a pas compris, mais ça fait rien à d'autre qu'en compte. Voilà. Qui écrit la musique et les paroles de vos chansons? Who writes the music and lyric of your song? Tous les deux, Benny et moi. Voilà, très bien. Qui est le plus gourmand? Vous avez peut-être compris, je n'ai pas besoin de le dire. Miam, miam, qui est le plus gourmand des quatre? Les quatre. Qui va décider où vous allez dîner ce soir? Ça, faut peut-être que je le traduise. Who will decide where you will be dining tonight? Monsieur Alain Boublil, je crois. Oui. C'est Monsieur Alain Boublil, votre manager en France, qui va en décider. Oui. Vous avez bien de la chance, alors. Et on where, tonight, où allez-vous dîner? Je crois, à la barrière de Clichy. Ah oui? À Clichy, oui. Ah bah, si vous avez bon goût. C'est un des grands, des très grands Français. C'est un des maîtres que. D'ailleurs, on est autorisé à faire de la publicité pour les numéro un de la gastronomie en France, c'est Vergès. Alors, good appetite et à Tomani. Ah non, ça c'est italien.